Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plateforme sur un nouvel épisode de Fallout 3 dans lequel nous continuons notre petite aventure dans l'usine Robco. L'usine Robco toujours envahie de Rav Cafar qui apparemment laisse les balles traverser leur corps sans être atteint. Et donc de Rataupe et à mon avis aussi de robots qui sont envahis. Et de 1. Oh, mais c'est que je n'aime pas ça. Ces pseudo vrais étages. Non. Tu ne m'auras pas. Oh. Tu ne m'auras pas. Protectron. Bonjour. Et voir un terminal d'allume. Oh putain, il m'a foutu les boules. Couché. Ok, il m'a foutu les boules, j'ai pas vu venir. 40 capsules, mais c'est bon ça. Et il y a un robot là-dedans. Ouais, ils me fournissent bizarrement un stealth boy. Qui indique qu'il va peut-être y avoir en fait. Un petit peu de discrétion. Donc on va profiter, on a quelques bouquins qui nous prennent peut-être un petit peu de place. Grand livre des sciences, voilà. Ça, on va prendre un coca aussi. Histoire de régénérer un peu notre santé. Parfait. Et nous revoilà partis. Ouais, je pense qu'il n'y a rien dans ces coffres. Enfin, dans ces bureaux. Qui sont en fait des coffres, hein, il faut le dire. Ni plus, ni moins. Hello. Oh. Je rate. Oh la vache. Ouais, mon arme doit être en train de. De douiller. Effectivement. Mon arme douille. Est-ce que j'ai quelque chose pour la réparer? Rien du tout. Bon, on va passer au pistolet laser. Hein. Du cul, il m'a foutu les boules. Par contre, je n'y vois strictement rien. Je sais pas s'il y a des trucs à munitions, des steam packs. Apparemment, il n'y a pas de trucs à munitions. Bon. J'entends des bestioles, c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Ce qui est marrant, c'est que je reconnais pas des rataupes. Plutôt des ghouls, bizarrement. Il y a une radio. Ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Retrouver la situation d'avant-guerre. Nikola Tesla et vous, c'est quoi ce bouquin, je m'en rappelle plus. Puissance. Une enclave, une Amérique. Maintenant, arme et énergie, bah ça c'est cool ça. Bon, il fallait sans doute un petit peu qu'on ait trouvé ça. J'aime pas tous ces robots. Voilà, il est plutôt efficace ce truc de toute façon.
Ah non, pas cette musique. Non, 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 non. Oh, est-ce que je peux faire un tir pleine tête? Oui! Le pauvre. Alors. Ce David, ce David, ce David, ce David, ce David. Bon. Ce côté-là, ils ont été radins. Ouais, boîte à sandwich. Coca vide. Assemblage de manomètre à vapeur, bien sûr. Qu'est-ce que ça fout là? Oh, par contre, la boîte de Steam Pack derrière va être cool. Hop. Il m'a fait peur celui-là. Il avait déjà perdu la tête de toute manière. Bon, on monte. Lui, il a rien compris à sa vie. Oh là, la pile à fission qui va nous faire du mal aux poches. Rien. Tiens. J'espère qu'on va pas avoir à revenir dans chacune de ces salles. Je ne me rappelle plus, à vrai dire. Je ne me rappelle plus. Bon. Discrétion, discrétion. On est quand même plutôt bon pour l'instant. On y viendra plus tard une fois qu'on aura fait le tour de la zone. Oh, vestiaire personnel. Hop là. Ouf, tout ça pour ça. Boîte, je suis en surcharge. Et maintenant, je suis toujours en surcharge. Un peu moins, apparemment. Fusil laser, fusil laser. Ouais, j'ai pas envie de les gaspiller. Ah non, ça vaut pas le coup. Bah, je vais jeter de l'eau sale. Pour gagner une place. Et donc pouvoir checker un petit peu plus. Mais bon, rien à checker, j'ai l'impression. Bon, fouillons la salle suivante. Alors voilà la radio qui parle. Les fléchettes, je prends, ça porte, ça coûte rien. Les capsules, pareil. Non, 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 surtout pas cette musique, c'est chiant. C'est chiant cette musique, 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 c'est chiant cette musique. C'est chiant cette musique. Voilà, on l'entend plus. Cette musique est à chier. Hey. Moi qui m'attendais à ce que vous soyez là, les gars. Stealth Boy. He's foot de Majol. Il me donne de la santé facile en plus. Vous êtes en surcharge. Ah bon? Rien que ça. Vous êtes trop gros. Ah bon? Attends, les. Les radics, ça sert à rien que je les vide. Le jet, ça sert à rien que je le vide. Enfin, que je le vire, pardon. Radaway non plus. Steel's Boy, je pourrais. Ça coûte cher. Viande de rataupe et whisky, par contre, je peux les virer. Voilà. Je sens que je vais m'en prendre plein la gueule.
Sauvegarde rapide. Installer le bidule du processeur. Début d'utilisation légale de la force. Voilà. Si je le pirate, ensuite. Défensive. Oui, ça pourrait être ça. Mais c'est pas ça. Depending. Ça pourrait être ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Létale. Vite, vite. Oula, je me fais tirer dessus. Conducted, non. Generated, non. Countdown. Ah, c'était ça, cool. Bah, on est bon. Voilà, alpha 2 cafard. Guide d'orientation. Les fonctionnalités recouvrent les activités quotidiennes de vos compagnons de travail telles que décrites dans les manuels d'instruction. Examination de nuisibles, encourage vos compagnons de travail à traquer et éliminer les cafards, rongeurs et autres nuisibles. D'activer le protocole de sécurité et de sûreté humanoïde de vos compagnons de travail et n'être employé que dans l'autre. L'attaque communiste. Oh la gueule. Les sessions des robots vous permettent de désactiver temporairement vos compagnons de travail en vue de la maintenance régulière d'ordre. D'accord. Interrompt pour liquidation totale. Et voilà. Normalement. Début d'utilisation légale de la force létale dans ses mains. Voilà, ils sont de mon côté. Ça, c'est pas cool. Si, ça, c'est pas cool. Recherche d'hostile. Regardez celui-là. Bim, voilà. Ah, c'est bon, il est mort, merci les gars. Calcul des probabilités de réussite 80%. Ils se shootent entre eux. Circulez. S'il vous plaît. C'est génial. Parce qu'en se shootant entre eux en fait. Non, 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 pas cette musique. Bon, c'est pas grave, on va redescendre. Et je suis sûr qu'il y en a un en bas, vous savez, qui était coloré d'une manière bizarre, qui va réagir. Avertissement. Hostile dans le secteur. Circulez, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y en a un en fait en bas. Salut toi. Circulez, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y en a un en bas en fait dans la salle principale qui va être amical. Eh bah ben non. Dommage, j'aurais cru qu'un de ceux-là, en fait, allait être sympathique. Mais non, même pas. Bon. Alors, niveau de la quête, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire d'ailleurs? Parce que je me suis barré comme un voleur. On va retourner auprès de Moira. Bon, 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 bon. On s'en est plutôt bien sorti. Pourquoi est-il de retour? Vous vous souvenez de moi? Joe la bricole. J'aimerais acheter un robot. Ces robots-là sont déjà... Eh bien, le RL... D'accord, alors on vend quoi? Dommage, t'aurais eu de la ferraille, je te l'aurais acheté. Je dois y aller. Puis-je pour vous? Ah bah attends, c'est lui le Gutsy. Monsieur Andy. Je ne suis pas à vendre, je suis un modèle de démonstration. Joe la bricole sera ravi de répondre à vos besoins en robotique. Bonne journée. Une belle journée de plus dans l'armée. C'est lui que je veux, moi. Ok, bon. Alors, on va retourner voir Moira, pardon. Hop. Voilà, mégaton. Il me semble qu'on a du coup un petit peu de ferraille, un petit peu de cochonnerie sur nous. Ce qui pourrait être sympa d'aller... C'est donc pour ça qu'il pourrait être sympa d'aller voir encore une fois Walter.
qu'il me donne un petit peu d'XP et de capsules, tout simplement. Ce que je sais, c'est que quand je retournerai là-bas, j'aurai une bonne quantité de ferraille à... ah bah, justement, à ferrailler. Bonjour mademoiselle. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, c'est gentil. Alors normalement, au bout d'un moment, ils sont censés nous donner des trucs, hein. Mais bon, enfin moi j'avais tout le temps ça, une personne qui venait me courir dessus quand je rentrais dans la ville. Ah, tenez, on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne 3 bouchons et... 3 bouchons et 2 bouteilles vides. Ouais, génial. Enfin bon. Walter, bah tiens, t'es là. Ça tombe bien, j'ai hâte de parler. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Envie d'acheter de la ferraille? J'en ai 5 à vendre. Parfait, t'en avais que 5. Eh bien... Parfait, bah je t'en remercie. Ça fait toujours 50 capsules, je crois, hein, donc... plus qu'agréable. Combien qu'on en a? 278, autrement dit, on n'a rien du tout. Une réserve de Creator Side, alors c'est pas encore ouvert. On va attendre 2 heures, 3 heures, pourquoi pas. Yo! Vous avez trouvé des technologies? J'ai réactivé les robots et réussi à modifier leur programmation. Maîtriser les technologies du passé et les adapter aux besoins du présent, voilà ce qu'il faut réussir à faire. Racontez... J'ai pas intervenu dans les robots pour que les monstres aient un problème. Une fois la programmation modifiée, les robots n'ont plus été un problème. Ça a été un carnage robotique, moi déclenché par moi, donc un beau carnage. Mais donc, bah oui, ça a été un carnage robotique, mais déclenché par moi, donc un beau carnage. Eh bien, on dirait que les vieilles technologies amènent à se prendre pour Dieu. Mais vous ne devriez probablement pas. Un truc à surveiller quand on bricole n'importe quelle technologie, et avoir quelques grenades à impulsion ne peut pas faire de mal. Certes. Merci. Oh, et prenez mon livre de science. Je ne sais pas pourquoi je ne... Merci. La dernière partie de ce livre traite de la bibliothèque, c'est ça? Oui. Le savoir était autrefois conservé dans les livres, et les livres se trouvaient dans les bibliothèques. Voyez si elle existe toujours, et Arlington, si vous pouvez donc télécharger son catalogue informatique. De telles données aideraient à reconstruire l'humanité. D'accord, je vais aller voir la bibliothèque locale. Super. La bibliothèque devrait être dans le vieil Arlington, pas loin du centre. D'accord. Si c'est impossible, même le catalogue devrait faire l'affaire. Tout élément d'information... D'accord. Voyons ces marchandises. J'ai quelques petites conneries à te vendre. Jet. Radix. Viande de Yao Guai. Viande de Yao Guai. Ouf, non. Je te la vends pas. Désolé. Pile à fission. Oui, je peux te vendre la pile à fission qui me coûte cher. Qui est lourde à porter aussi. Bon, déjà ça. Hop. Voilà. Bonne chance. Bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De ce côté-là, on est bon. Au niveau quantité d'espace sur nous, on est un peu ricrac. Grand livre de science, je vais le prendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de place? Ouais, déjà, on en a 9 comme ça. Plus les stealth boys. Je vais en vendre, on n'a pas besoin de 10. Idéalement, j'en ai besoin de 5. Elle est là? Il y a des... Non, je... C'est... D'accord. Donc, voyons ces marchandises. Ah, je les vends 70 pièces. Bon, bah déjà, je t'en vends 2. Alors, arme, lance, flamme, coup de poing à pointe, mine, frag, éventreur. Éventreur, ça pourrait être intéressant, mais je ne l'utilise plus. Niveau arme, tu en vends pas? Ah si, je les ai vus, je suis con. Aide, bah je vais te prendre 70. T'en prendre 6. Si je t'en vends 3. Parfait. Parfait, parfait. Bonne chasse. Hop, je dois y aller. Merci. Alors, Arlington, où est-ce? Où est-ce exactement? C'est à Shai. Allons là. Et, chers amis, je pense qu'on va se laisser là. Attendez.
appeler. Voilà. Un autre super mutant, c'est trop cool. Bon bah d'accord, les deux tirs ratés. Voilà. Et deux super mutants cramés. Donc les amis, je pense qu'on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.